Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Voilà, en ce moment c'est ma série carte. Voilà, je suis dans les cartes en ce moment. Alors aujourd'hui, et en plus je suis dans les petites cartes. Voilà, j'ai abandonné un peu mes 15-15 en ce moment. Aujourd'hui je vais faire une carte avec un fond en négatif. Donc avec un classeur embossage, voilà. Donc aujourd'hui j'ai choisi celui-là, un peu style steampunk, on va dire. Voilà. Donc il va me falloir un classeur embossage, de l'encre, un fond de carte. Voilà. Donc j'ai pris un rouge. Donc c'est toujours un 14,8 sur 10 et demi. Je vous redis ça exactement. Les 15-15, c'est facile à retenir, hein. Sur 10-3 et sur 14-8 à peu près. Voilà, j'ai pris un fond noir, donc celui-là fait le fond noir, je vais remesurer, je sais plus. Alors le fond noir, j'ai fait 10 sur 14,3, voilà, et un fond blanc qui lui fait 9,5 sur 13, là, non, là, 13,7 à peu près. Voilà. Donc, ce qui fera que j'aurai mon blanc sera sur mon noir et mon noir sera sur mon rouge. Voilà. Ensuite, je verrai. Comme d'hab. donc, il me reste des chutes de toute façon. Donc, ça va certainement me servir. Et puis j'ai mes fonds d'ice là derrière moi. Donc voilà. Allez, on attaque. Allez, on y va. Je vous bascule. Voilà. Donc j'ai mis une vieille feuille blanche en dessous pour ne pas salir plus mon tapis. Je rigole. Il est tellement dégueu mon tapis. Alors voilà. Donc pour faire un fond négatif, on va servir donc d'une plaque à embossage. Et donc là c'est le côté, alors comment je vais vous expliquer, les dessins ressortent, voilà, ils sont ici, vous les sentez, hein, d'accord, ils sont en extérieur, voilà, si vous voulez. Là les dessins sont en creux, voilà. Donc, on va se servir du creux, du dessin en creux. Là, si vous passez votre main, c'est comme si c'était lisse. Vous voyez, les dessins sont vraiment dans le creux. Et là, par contre, vous les sentez. Ça fait un peu comme si vous lisiez un peu du braille. Si... Voilà. Donc, on prend ce côté-là. On va prendre notre... Ah bah tiens, les neuves, je n'avais même pas fait attention. notre plaque, notre pad d'encre, voilà, qui est tout neuf d'ailleurs, voilà. Je n'ai même pas fait attention qu'il était neuf, celui-là. Et on va mettre de l'encre partout, partout, partout. N'ayez pas peur, hein. Oh, comment elle va faire avec sa plaque. Après, je vais la laver. Voilà. S'il y a des petits reflets avec moins d'encre, c'est rien, ça donne un effet. Hop. Je prends mon papier blanc. Donc, le papier, j'ai pris le gros bloc comme ça, moi. J'ai pas pris le cardstock.
J'ai pris celui-là, c'est du papier lisse, c'est mieux. Hop, voilà, je m'en mets plein les mains. Je referme. Et je vais prendre ma Big Shot. Donc je vais vous tourner un peu sur la Big Shot si vous voulez. Voilà. Donc j'ai préparé sur la plaque, vous voyez, là, je les ai enlevés pour faire en plaque d'embossage. Voilà, je mets mes deux plaques et je mouline. Comme d'hab, je vous fais bouger. Bon. Hop, je peux refermer le classeur. Normalement, l'embossage, j'en aurais plus besoin. Et là, c'est là qu'on a la surprise. Alors, je prends la sopalin à côté de moi. Au cas où, je vous remets bien droit. Voilà. J'espère que vous êtes droit. Et voilà. Bon, ça, ma plaque, je la nettoierai plus tard. J'irai la nettoyer en bas à l'eau. Parce que là, maintenant, elle est cracra. Hein. Donc voilà, vous avez un fond de carte en négatif. Donc moi je l'ai fait rouge, hein. Bon, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Donc il y a des endroits où il y a moins d'encre, mais bon, ça sert à rien, hein. Ça donne un effet. Si vous voulez qu'il y ait plus d'encre, bah, vous en mettez bien. Moi ça me plaît comme ça. Il n'y a pas de problème pour moi. Alors, là, je vais laisser sécher. Alors, pendant que je laisse sécher, on va s'occuper de ce qu'on va avoir besoin après. Donc, voilà, je vous remonte de près. Hein. Vous voyez ? C'est joli, hein ? Alors, je vais reprendre. Je vous rassure, hein, je n'ai pas que ceux-là, hein, de dies. Mais c'est ceux que je me sers vraiment le plus. Donc, c'est vrai qu'ils sont toujours là-dedans. Il faut d'ailleurs que je vous fais une vidéo. Rangement dies. Il faut que j'y pense. Alors, est-ce qu'avec ça, avec des montres, je peux faire un Happy Birthday, peut-être? Viens là. Donc, je prends mon dies Happy Birthday. Bon, vous savez, je préfère quand c'est écrit en français, mais bon. Je crois que j'ai pas de dies marqué Joyeux anniversaire. Donc, voilà. J'ai ça aussi, ça me plaît bien. Je vais peut-être le prendre, je vais voir. Puis je crois que ça ira. Pour l'instant, alors je suis en train de chercher quelque chose. Voilà. Bon, celui-là va être trop grand. Je suis pas sûre que je mets mon Happy Birthday. Donc, je réfléchis encore. Je vais peut-être le mettre joyeux anniversaire en français. Voilà. Alors là, j'ai, voyez, c'est une découpe steampunk. Alors je peux la faire en noir. Alors j'ai acheté ça tout à l'heure aussi. Voyez, les papiers stickers.
Mais là, je n'ai trouvé qu'en argent et en doré. Il n'y avait plus que ces trois-là à Action. Je ne sais pas s'il existait en cuivre. Il aurait été en cuivre, ça aurait été plus beau peut-être sur le rouge. Mais là, non. Donc, je vais continuer dans le noir. Je me servirai peut-être du gris après. Alors. Je vais prendre un morceau du papier noir. On va voir ce que ça fait. Oh, mes plaques. Je vais les mettre dans l'autre sens parce qu'elles gondolent en ce moment. Donc, un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour essayer de les remettre à peu près. Vous voyez? Je ne sais pas, regardez. Vous voyez, elles gondolent. Au prix où on achète les Big Shot, ils pourraient nous faire des plaques quand même. Parce que les plaques ne coûtent pas. Ça coûte pas 1 € non plus. Oh. Ils pourraient les faire de, je sais pas, d'une autre matière ou quelque chose de plus solide. N'ayez pas peur. Voilà. Hop. Alors, j'ai rangé tout mon atelier. Donc, je vais essayer de bien ranger après que j'aurai fini. Donc, pour que tout soit bien propre pour mercredi. Je vous rappelle que mercredi, je reçois Sylvie Poulain, la personne chez qui j'achète la plupart de mes tissus, la boutique Pick & Patch. Voilà. Je vais vous remettre les liens de sa boutique et de sa chaîne. De sa chaîne. Donc, elle vient chez moi. Elle va faire la route de Reims jusqu'ici, près de Valenciennes, dans le Nord. Elle va venir exprès pour me voir, pour qu'on bricole. Alors, attendez, je cherche quelque chose que j'ai rangé. Alors, voilà, j'ai rangé mon atelier. Mais maintenant, pour retrouver mes affaires, c'est autre chose. Voilà pourquoi j'aime pas ranger mon atelier. Parce que après, c'est le boxon. C'est un boxon, mais rangé. Bon, tu vas sortir, toi? Ah, voilà, ça y est. Il faut taper dessus pour qu'il arrive. Donc, alors, je vais réessayer, je vais profiter les filles pour réessayer, je n'ai toujours pas réessayé, donc c'est l'occasion. Alors, un petit bout de papier brouillon,
Je n'ai toujours pas eu le temps de les d'essayer. Alors, je vais prendre le fin, donc c'est le bleu. Alors, vous m'avez dit qu'il faut appuyer. Donc, j'appuie. Et d'attendre que la colle arrive. Donc, j'attends, hein, les filles. J'appuie et j'attends. Bon, ça n'a pas l'air d'arriver, hein. Ah, ah, si, ça y est, ça y est. Miracle, mon stylo fait pipi. Youpi. Mon stylo fait pipi, les filles. Merci, les filles. Bon, j'espère que ça va bien coller, par contre. Ouais, youpi. Mon stylo fait pipi. Il fait pipi de la colle. Par contre, elle pue, hein. Oh, qu'est-ce qu'elle pue, cette colle. Oh, c'est pas la Cléopâtre, hein. La Cléopâtre, au moins, elle sent bon l'amande. Là, je vous assure, elle pue. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Par contre, elle a l'air de vite sécher. Oula, ça sèche vite, ces trucs-là. On va vite faire des petits points. Ouais, ça sèche vite. Je suis obligée déjà de repasser. Qui a osé rigoler derrière son écran quand j'ai dit que mon stylo faisait pipi? Bon, ça a l'air de coller. Je vais le reboucher tout de suite. En tout cas, merci les filles pour de m'avoir dit comment il fonctionnait. Vous voyez, je sais pas toujours. Ah, pourquoi? Ah ben non, si, je suis obligée de le mettre dans ce sens-là, de toute façon. Voilà. Bon. Là, on va mettre du 3D. Je vais garder ma feuille pour pas salir. Alors, attendez, je viens de voir que j'ai fait une... Enfin, c'est pas une bêtise, mais je vois que j'ai dépassé. Donc, je vais... corriger. Voilà.
Alors, une petite chose. J'ai toujours pas trouvé pourquoi mon argenté ne veut pas aller. Je pense qu'il doit être bouché. Vous voyez? Donc, on va réessayer, hein. Si ça marche pas, ça marche pas, tant pis, hein. Par contre, j'ai retrouvé mon doré. Voyez, en rangeant. Non, hein, c'est le bouchon qui va plus. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est chiant. Donc bah, du coup je ou bien enfin je jetterai pas, je vais me servir du doré mais avec un pinceau. Alors j'avais retrouvé le doré mais je sais pas, du coup je sais pas s'il va, voilà, celui-là, le Art Bio. Mais non, mais voyez, ça veut pas. Bon, ben alors, sur la longueur, c'est de la cacaille, hein, leur truc bio. Bon, on oublie, hein. On oublie, on oublie, on oublie. Allez, je vais coller ça. J'essaierai de récupérer les encres et puis d'en faire quelque chose quand même. Pour dire de ne pas les mettre à la poubelle. Enfin, c'est bien dommage de vendre des trucs. Oui, c'est naturel, c'est bio, c'est ceci, mais bon, si au bout de 6 mois ça fonctionne plus. Voilà. Alors, on va essayer de se mettre droit. Hein. Alors, j'ai envie de mettre du brillant. Alors, est-ce que je le fais sur le noir? Ou sur le blanc? Oui, je vais faire sur le noir. Donc, ça, c'est le stylo. Alors, je ne sais jamais comment on l'appelle. Wink of Stella. Brush, voilà. Donc c'est un pinceau, vous voyez. Et c'est des paillettes. Donc, je vous mettrai un lien en dessous si vous voulez, si vous l'avez pas encore, si vous voulez le trouver. Non, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais peut-être pas tous les faire. Je vois. Bon, les filles, j'ai mon ventre qui gargouille.
commence à être au bout aussi. Ça fait un moment que je l'ai. Oh, je sais pas si vous entendez mon ventre à la vidéo, mais tellement qu'il gargouille. Voilà. J'en mets pas partout. Et maintenant, donc je vais le mettre en 3D aussi. Voilà. Et on va le coller. Oh, ça m'énerve que ça gargouille comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va s'occuper pour mettre un sentiment. Donc ça j'ai plus besoin, ça j'ai pas besoin, ça je pense pas, ça j'ai plus besoin. J'essaie de ranger au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de remettre le boxon. Alors, le sentiment, comment je vais le faire? Parce que celui-là, vous voyez, il est beaucoup trop grand, puis il me prendrait toute la place. Là, si je fais le Happy Birthday, bon là, il est à l'envers. Hein. Ça ne va pas aller. Donc, est-ce que... J'ai des sentiments... Ah ben oui, j'ai des sentiments en argenté. Joyeux anniversaire. Donc, voilà. Donc... Ça va aller. Alors, je vais couper... Une étiquette en noir. Je vais prendre ma chute. On l'entend, hein, que les plaques sont gondolées. Joyeux anniversaire.
Voilà. Donc, on va lui mettre du 3D aussi. Alors, je le mets au milieu, je le mets en bas. Très jolie carte pour un monsieur, voilà. C'est droit, oui. Bon, je dis un monsieur, mais alors si je mets des perles, ça le fait plus hein, pour un monsieur. Bon, des petites choses discrètes. Est-ce que j'ai des petites choses discrètes? Ah non, je sais quoi. Attendez. Ah ben, cherchais ma plaque de mousse tout à l'heure. J'en avais besoin. Et je viens de la trouver maintenant. Que je n'en ai plus besoin. Ah, je vous jure. Alors, attendez, j'ai des petites choses en argenté. En forme, hein? En forme de quoi, je ne sais pas. Non, ça c'est Pâques. Alors, ça c'est Noël. On va mettre des cloches pour un anniversaire. Ça c'est des fleurs. Non. On va trouver les filles. Il y a les anniversaires en argenté. Qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce que ça passe? Oui, mais non, ça n'irait pas avec le style steampunk. Je pense pas. Je vais essayer. Bon, si ça va pas, je peux recoller sur ma plaque. Ah, c'est trop long. Zut! J'aurais dû le mettre avant. Bon. Donc, tant pis, on va le recoller. Là, j'en mets une petite deuxième. Voilà.
Voilà, une carte toute simple pour un monsieur. Donc, avec le fond en négatif. Donc, vous pouvez le faire la couleur que vous voulez, bien sûr. Hein. Vous pouvez accentuer également la couleur du fond. Voilà. Donc, on peut également le faire dans l'autre sens. Hein. Je vous referai une carte dans le sens inverse. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est plus pour un garçon ou un monsieur. Malgré que c'est un peu style steampunk. Les filles aiment le steampunk aussi, hein, de toute façon. Moi la première. Alors, attendez. Je vous remonte. Donc voilà, ma petite carte. Steampunk. Avec un fond de carte en négatif. Voilà. Donc, c'est tout simple, hein, là, aujourd'hui. Voyez, il n'y a rien de spécial, mais je voulais surtout vous montrer donc ça. Voilà. Donc, vous, comme je vous ai dit, vous faites la couleur que vous souhaitez. Ça, c'est normal. Hein. Je ne vais pas vous imposer du rouge. Vous pouvez atténuer la couleur comme vous le souhaitez. Là, bon, je vous montre un peu de plus près, vous voyez. Bon, il y a des effets un peu plus ou moins marqués. Donc, moi, ça ne me gêne pas du tout. Bien au contraire, ça me plaît beaucoup. Je préfère que comme ça, que ce serait tout lisse, vraiment d'une seule couleur. Là, du coup, ben, on a argenté pour le sentiment. Comme ça, ça fait un peu plus garçon. Voilà. Et ben là, je ne sais pas, parce que le 13... Alors, je ne sais pas si je vais lui offrir celle-là ou si je vais lui en refaire une. Mais le 13 mars, c'est l'anniversaire de mon chouchou, de mon mari. Donc, soit je lui donnerai celle-là ou alors je lui en referai une. Mais je vous la ferai en vidéo si j'en refais une. Je verrai. Parce que lui, bon, le steampunk, déjà, il ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires en barre d'infos. Des pouces-pouces. Ah ouais. Des petits pouces bleus. Bon, moi, je vais peut-être aller me passer la tête sous la douche. J'ai une sale tronche aujourd'hui. Ça y est, j'ai vu le docteur. J'ai eu mon résultat d'analyse. Il n'est pas bon. Et le laboratoire me demande de le refaire. Parce qu'ils n'ont pas pu faire tous les examens dessus. Alors, demain, rebelote. Donc, j'en saurai plus. Mais bon, il n'est pas terrible du tout, hein, mon résultat. Donc, pour l'instant, j'ai une infection. Mais on ne sait pas encore laquelle. Voilà. On verra. Et je dois aller faire une radio et une échographie de mes reins. Voilà. Et c'est ça, hein, de vieillir. Que voulez-vous? Mais bon. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Comme d'hab, je vous mets les photos à la fin et je vous fais des gros poutous. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous.